Oui, je sais. Tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça lui ressemble pas. Non, ça ne me ressemble pas. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Je t'ai dit hier que j'avais envie de tester de nouvelles choses, d'aller peut-être plus vers de la légèreté. Voilà, je te propose de faire la cuisine ensemble. Ça ne m'intéresse absolument pas d'habitude. Je me dis que tu aimes peut-être ce genre de vidéo. Bon. Testons. Je te propose de te partager la recette d'une salade simple et généreuse. C'est parti. Pour commencer, tu épluches quatre patates de tailles différentes. Une grosse patate ne sera pas forcément meilleure qu'une petite. Prône la diversité en toutes circonstances. Avant d'ouvrir ton estomac, il faut ouvrir ton cœur. Choisis ces patates avec amour. Ne laisse pas le hasard gagner trop de terrain. Tu les auras nettoyées évidemment au préalable. Prends soin d'elles en les épluchant. Parle-leur d'elles. Flatte-les en les déshabillant. Respecte la pudeur de certaines patates. Ne t'énerve pas surtout. Ensuite, les tomates. Tu choisis les deux plus belles tomates de ton jardin ou de ton supermarché. Mais attention, la beauté est une affaire sérieuse. Pose-toi cette question cruciale. Est-ce que tu les choisis parce qu'elles sont belles et conformes aux yeux de la société? Ou parce qu'elles sont belles et singulières à ton propre regard? Une fois que tu les auras choisies, coupe-les en tranches généreuses. Mets-y un peu de fougue pour qu'elles ne s'ennuient pas trop. Mets-les ensuite dans un bol. Et accompagne-les de 100 grammes de feta coupés en petits morceaux. Fais vite pour que les tomates ne se sentent pas trop seules trop longtemps. Sers-leur à boire avec du vinaigre balsamique en grande quantité. Et mélange leurs deux corps. Qu'il ne fasse plus qu'un. Glisse les patates dans l'eau frémissante, ainsi que 200 grammes de lardons fumés dans une petite poêle charmante. Une fois les patates bien cuites, coupe-les en petits morceaux et mélange-les aux lardons presque grillés. Vite, un peu de salade dans un grand saladier. Oui, verse-y le duo tomate feta, ainsi que celui de patates et lardons. Oui, tout le monde se chevauche, les fluides circulent. Oui, c'est la jouissance assurée. Bon appétit.